Depuis quelque temps, ils s'interrogent sur l'éducation qu'ils souhaitent pour leurs enfants. Le journal parle d'une grande fête communautaire qui se tiendra à l'école de langue française. On devrait y aller. Bonne idée. Quelle belle journée! Oui, c'est une bonne idée que tu as eue. Pourquoi on s'en va? Parce que la fête est finie, fiston. J'ai rencontré plein de gens intéressants. Et moi, j'ai découvert qu'il y avait plein d'organismes et de services francophones dans notre communauté. C'est une belle découverte et quel bel accueil! Je me suis sentie chez moi. C'est vrai que la communauté francophone est diversifiée et j'en suis très heureux. Pendant que tu assistais au spectacle avec le petit, j'ai eu la chance de discuter avec la directrice de l'école. Elle m'expliquait comment la communauté et l'école de langue française travaillent main dans la main pour former des jeunes citoyens francophones engagés. Chérie, je pense qu'on a trouvé l'école pour nos enfants. Je le pense aussi. Demain, on appellera pour les inscrire. D'accord, je m'en charge. Parlons d'enfants. Je pense que celui-ci commence à se manifester. Quoi? On va à l'hôpital? Mais non, pas tout de suite. D'autres parents comme ceux-ci s'interrogent. Ils se demandent quelle éducation ils souhaitent pour leurs enfants. De plus en plus de familles choisissent l'école de langue française. Tout au long de son histoire, l'école de langue française en contexte minoritaire au Canada a formé des citoyens qui s'identifient fièrement à la langue et à la culture d'expression française, capables de s'épanouir pleinement dans une société diversifiée et engagés dans le développement de la communauté francophone. L'école de langue française, c'est une école de choix, un monde de possibilités. Quelle serait l'école de votre choix? Pourquoi? Faites-nous en part via Twitter ou Facebook à Mon École de choix. La réalisation de cette capsule est une initiative de la Fondation Éduquer en français en partenariat avec la Commission nationale des parents francophones et la Fédération nationale des conseils scolaires francophones. Nous tenons à remercier Patrimoine canadien pour son soutien financier à la réalisation de cette vidéo.